Bonjour les gens, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les sens giratoires mais à trois voies. Donc sens giratoire, n'oubliez pas, hein, c'est j'arrive sur un cédé le passage et je cède la priorité aux gens qui circulent dans l'anneau, c'est-à-dire je laisse passer les gens qui circulent à l'intérieur. Alors en termes de placement, c'est pas si compliqué que ça, au début c'est très impressionnant. Ce qu'il faut vous dire juste, c'est que quand vous allez aller à droite et tout droit, il faudra rester vraiment sur la voie la plus à droite. Si maintenant vous décidez d'aller à gauche, à ce moment-là, ça sera la voie du milieu, c'est-à-dire la deuxième. Et si vous décidez de faire carrément un demi-tour sur le sens giratoire, à ce moment-là, il faudra rester sur la voie la plus à gauche. Ce que je vous conseille surtout de faire, donc on va essayer de le voir, hein, je vais essayer de me mettre comme d'habitude dans la difficulté, c'est qu'au moment où je dois ressortir d'un giratoire, c'est-à-dire forcément à droite, il faudra juste faire attention au contrôle, c'est-à-dire au rétro et aux angles morts, et surtout ne pas traverser les trois voies d'un coup, mais changer après avoir contrôlé voie par voie. Et c'est là où justement les contrôles prennent tout leur sens, c'est que si jamais je me suis trompé de direction à un moment donné, je pourrais toujours rattraper, mais à condition évidemment d'assurer la sécurité, c'est-à-dire de contrôler, c'est le plus important. Je ne vous fais pas batailler plus longtemps, on y va tout de suite, regardez bien. Allez les gens, on est parti, petite conduite commentée. Donc décidément, à chaque fois que j'en fais une, le sort s'acharne et il pleut. Donc, ici je vais sortir, alors, essuie-glace arrière, essuie-glace avant, un peu de ventilation, ok, et clignotant à droite parce que je sors de mon rangement en bataille vers la droite. Donc je vérifie dans le rétro, ça passe, voilà, devant c'est bon aussi, ok, et donc on est parti pour des sens giratoires mais à trois voies. Donc aujourd'hui je suis dans la ville de Pau, dans le 64, donc pas très très loin de chez moi pour ceux qui connaissent. Et on va essayer de voir si on peut se compliquer un petit peu la vie. Alors, eh bien regardez, je vais aller à gauche au souterrain. Donc ça c'est intéressant, comme ça je vais gagner vachement de temps. Et là il pleut plus, donc je me permets d'enlever tout de suite mes essuie-glaces. Hop. Alors, je pense qu'on est dans un parking souterrain à sens unique. Il y avait du marquage au sol, 10 km/h, pas de souci. Et surtout des ralentisseurs assez costauds. La voiture de devant démarre. Ok, elle a déposé quelqu'un. Pas de souci. Et on va aller se compliquer la vie. Voilà. Alors, ici, je retrouve la lumière du jour. Ça fait plaisir. Et je vais aller à droite puisque le plus grand rond-point se trouve à droite et de toute façon ben, j'avais pas le choix en fait, hein. Stop, interdiction d'aller à gauche, hop. Donc ici je vais pas avoir d'autre choix que de m'avancer et de me réarrêter, donc là je suis vraiment obligé d'avoir un démarrage dynamique. Alors la voiture est au point de patinage, allez on accélère franchement, on y va. Ok, je lance fort surtout et je reste à droite pour aller tout droit. Donc tout droit, bord droit. Ici j'arrive, il y a trois voies, donc je commence surtout à jeter des coups d'œil. La visibilité elle n'est pas terrible avec la pluie, mais c'est pas trop grave. Et reprise première pour pas trop être proche du véhicule de devant. Surtout qu'il y a des feux, les feux pourraient changer de couleur. Donc tout droit, bord droit. Allez, on y va. Ici le bord droit, donc je place bien mes yeux sur la couleur du feu. Au fond, devant, et je tourne ici. Donc les rétros, l'angle mort et le clignotant. Donc derrière, le véhicule me suivait de très très près, mais c'est passé. Donc là, je vais aller carrément faire un demi-tour, mais je vais laisser passer les piétons. Donc je vais voir, est-ce que ce couple d'amoureux veut traverser? Oui, réponse A. Allez, donc on n'oublie pas que je vais aller faire un demi-tour au niveau des feux là-bas, si j'en ai le droit d'ailleurs. Ok, petit angle mort. Donc l'angle mort est très important à partir du moment où je décide de changer de voie. Le feu est vert, pied au-dessus du frein au cas où, derrière ça va. Allez, donc je viens de passer au feu orange, mais j'étais dessus. Là il n'y a personne, on remet le clignotant et on tourne. Donc lui il fait un créneau, je change de voie. Ok, et cette fois-ci ce que je vais faire, c'est que je vais aller à droite au rond-point. Quand je dis rond-point, je m'entends, c'est plutôt un sens giratoire puisque j'arrive avec un cédé le passage. Donc le passage piéton est vide. Ok, je revérifie, lui il me protégera.
Et cette fois-ci à droite, angle mort à droite, je suis bien placé. Donc là, il y a beaucoup de feu, des ralentisseurs, je reste en seconde. Voilà, donc le monsieur a cédé le passage, le feu est vert, je passe. Et devant, de nouveau, un feu, je surveille derrière, j'ai le pied au frein et je passe. Donc devant, la circulation est arrêtée. Voilà, reprise première, et avec un peu de chance, ça va redémarrer très vite. J'en profite pour vérifier qu'il n'y ait pas un deux roues, hein, autour de moi. Allez, je redémarre, et on est parti. Alors, le feu est vert, pied au-dessus du frein, ça passe. Personne qui grille le feu. Et je vais aller tout droit aussi. Donc, toujours dans la même idée. Derrière, ça colle pas, pied au-dessus du frein au cas où. Et je viens d'avoir un panneau qui me dit chaussée à sens unique. Du coup, je suis au milieu et personne ne peut arriver. Donc il y a quand même beaucoup d'informations. Là, je suis à côté de l'université pour ceux qui connaissent. Et le centre là a vraiment changé en fait, hein, le centre universitaire. Il y a vraiment beaucoup de marquages, beaucoup de piétons. Encore aujourd'hui, il pleut, on ne s'en aperçoit pas trop. Voilà, et ce qui est difficile, c'est évidemment avec la pluie d'observer le marquage au sol. Donc derrière, ça va toujours. Je suis vraiment obligé de surveiller énormément derrière. Beaucoup de feux d'ailleurs. Voilà. Alors, beaucoup de panneaux 30 aussi d'ailleurs. Les piétons, c'est bon. Je vais aller à gauche. Vraiment dans la recherche du marquage au sol, puisqu'il y avait un panneau feu rouge. Un feu plutôt pour les bus. Ok, j'ai cédé le passage. Donc on est toujours sur un sens giratoire. Ici, il n'y a rien. Et je ressors. Donc là, je vais aller tout droit aussi. Le feu clignote. Ok, personne autour. Et j'y vais. Et là, je vais carrément faire un demi-tour à ce sens giratoire pour revenir sur le très très grand rond-point qui m'intéresse. Donc il y a du monde. Ok, ça passe en seconde. Donc évidemment, je ne vais pas super vite. Si j'ai un doute sur lui, je lâche mon accélérateur. Les rétros, l'angle mort. Et je vais à droite. Allez, direction l'autoroute. J'ai cédé le passage. Alors, on fait attention aux gens qui arrivent. Ok. Vous voyez, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que, évidemment, j'ai des rétros. Maintenant, si je pense que l'information n'est pas complète à travers mes rétros, je peux aussi carrément placer un angle mort. C'est vraiment hyper important. Pied au-dessus du frein, le feu est vert, ça passe. 30 km/h ralentisseur est toujours suivi de ces fameux feux. Donc derrière, ça colle pas, le feu est vert, c'est bon. Et on n'oublie pas que si moi j'ai le feu vert, les éventuels piétons auront le feu rouge. Allez, on va aller voir ce très très grand rond-point. Donc toujours 30. Et je sais exactement ce que je vais faire au rond-point pour vraiment bien vous montrer et vraiment bien le comprendre. Je vais vraiment essayer de le prendre dans tous les sens. Au giratoire, au début, j'ai été tout droit. Je l'ai repris une deuxième fois en allant à droite. Je vais essayer aussi de faire un demi-tour et d'aller à gauche. On va essayer de voir. Donc vous voyez, même si je ne connais pas par cœur ici, tout de suite, je m'aperçois que tout droit, ça sera vraiment la voie de droite. Allez, personne dans les rétros, tout droit, voie de droite. Allez, derrière, il n'y a plus personne, j'ai quand même le pied au frein au cas où. Et au prochain giratoire, je vais carrément faire un tourne à gauche. Tiens. Je vais aller à gauche au prochain sens giratoire. Donc les deux rétros, le clignotant, l'angle mort. L'angle mort très rapide. Hein. Je m'éternise pas dessus. Alors, après lui, ça passe. Et je prends la voie du milieu pour aller à gauche. Donc là-bas, au fond, le feu change de couleur. Je l'ai déjà vu. Résultat, j'appuie bien déjà sur le frein pour avertir derrière. Voilà. Et là, je vais garder par précaution mon clignotant à gauche. Parce que là-bas, il faudra que je puisse changer de voie. C'est-à-dire que je vais vérifier là que personne ne me suive de près. Là qu'il n'y ait personne, et surtout mon angle mort arrière pour être sûr qu'il n'y ait personne à droite. Donc si vraiment il y a du monde, ben, deux possibilités, soit je laisse passer, soit je refais un tour de l'anneau. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'y est mis. Et là, on ne stresse pas.
Allez, on reste vraiment pas focalisé avec un regard fixe. Ok, mon angle mort, je peux déjà le faire, vous voyez. J'en refais un s'il faut. Voilà, et tout de suite, j'ai changé de voie. Plus je vais attendre, plus ça va être compliqué. Donc là, au ralenti, mais ça passe. Voilà. Circulation un petit peu bloquée, donc l'inconvénient de la pluie, c'est sûr que tout le monde prend sa voiture. Ah, ça bloque vite, oui, parce qu'en fait, ici, ils ont mis comme un bus, en fait, sur des rails en plein milieu, et la circulation, elle est vite coincée, quoi. Allez, donc je vais reprendre à peu près la même chose que tout à l'heure, la même idée. Donc les rétros, le clignotant, donc les rétros, l'angle mort avant le changement de voie. Je vais refaire presque la même chose, sauf que cette fois-ci, j'irai carrément faire un demi-tour. Mais tiens, ce qui peut être intéressant en attendant, c'est que dans les commentaires, vous me disiez si vous avez bien compris les placements sur les ronds-points et si vous aussi, vous connaissez justement ces placements à trois voies. Donc je retourne à gauche ici tout de suite, ou si vous avez encore, voilà, franchement du mal. Hein. Alors, on va pas prendre de risque, on va vraiment laisser passer les gens, ils arrivent lancés cette fois. Voilà, et après elle, hop, en accélérant, c'est bon. Donc cette fois-ci, j'ai dit que j'allais carrément faire un demi-tour au sens giratoire. Donc là, par contre, je change de voie. Rétro, clignot, un coup d'œil à l'angle mort. Voilà. Là, je fais vraiment attention à tout mon passage piéton. Et je suis sur la voie la plus à gauche parce que cette fois-ci, je fais carrément un demi-tour. Donc si je vous le résume, à droite et tout droit, la voie la plus à droite. À gauche, la voie du milieu. Et demi-tour, normalement, la voie sur laquelle je suis. Bon, 14h34, il y a pas mal de circulation. Tout le monde a décidé de prendre sa voiture. Ah, mais on est vendredi et j'avais complètement oublié que parfois, le vendredi, les gens finissent plus tôt. Et du coup, ils sont peut-être déjà en week-end. La chance! Et dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en Corse, pas sous les cocotiers, mais presque. Dis-moi les vacances. Allez, on va laisser avancer un peu les gens de devant. Donc je vérifie aussi là-bas le passage piéton, hein, c'est important. Vous voyez, je fixe jamais trop longtemps. Ouais, il faut vraiment faire attention. Allez, donc là on y va, on reste bien à gauche puisque cette fois-ci on fait un demi-tour, le feu est vert, donc je fais gaffe aussi à ne pas me faire couper la route. Et déjà je vais commencer à changer de voie, donc la voie du milieu, hop, je change de voie, ok. Et là avant le feu, cette fois-ci je rechange encore de voie. En fait l'idée, c'est vraiment à l'avant-dernière entrée du giratoire de venir serrer à droite le plus possible. Pourquoi ? Pour ne pas se retrouver coincé. Souvent, en fait, on est coincé parce qu'on a trop tardé à faire les choses. Voilà. Donc là, ben, je suis content parce que finalement, je les ai fait un petit peu dans tous les sens. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc je ne vais pas m'éterniser sur la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt les gens. Dites-moi si vous avez encore des soucis sur les giratoires. Allez, à plus !